les gens, c'est Flozomi. Donc les gars, aujourd'hui, c'est pour une belle vidéo spéciale. Une vidéo setup. Donc les gars, avant de commencer la vidéo, je voudrais remercier un certain abonné que j'ai rencontré hier sur Skype et qui m'a fait un don de 5€. Donc les gars, il s'appelle Crazer, donc je fais une gaffe. Mais pas toi. Franchement, je suis très content de ça et c'est la première fois que quelqu'un me le fait. Et franchement, les gars, n'hésitez pas, hein, ça me fait plaisir, hein, les gars. Donc les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale vu que c'est le setup 2015 de notre gaming room. Donc les gars, ouais, pour tout découvrir, hein, franchement. Donc les gars, sans plus attendre, on se retrouve directement à la présentation pour découvrir le magnifique entre des cheveux Tony. Et ouais, mon gars. Bon, allez. Donc voilà les gars, on se retrouve pour la première partie, on va présenter, on va dire notre coin gaming, où il y a la télé et tous les jeux vidéo, toutes les consoles, voilà. Donc là, je vais faire un petit angle de vue, voilà. Donc là c'est le meuble où il y a la plupart des choses qui sont rangées, donc je peux vous dire que c'est assez le bordel, comme vous pouvez le voir. Petite collection Coca au calme, comme je l'ai dit la dernière fois. Donc là, je vous avais mis la caméra pour filmer. Donc voilà, la petite armoire et la petite télé, donc on va aller plus en détail pour montrer ce qu'il y a. Donc les gars, premièrement, là on peut voir une télévision Philips 89 cm 32 pouces Full HD 1080p. Donc franchement les gars, je peux vous dire qu'elle envoie du lourd pour une petite télé. Donc elle a peut-être 4 ans mais putain les couleurs qu'elle envoie les gars, je peux vous le dire. En plus je crois qu'elle était à 300€, donc ce qui est pas trop cher. Ensuite nous pouvons voir l'Avermedia Game Capture HD 2 bien poussiéreux, bon, que j'avais acheté, vous pouvez voir dans la vidéo Epic Unboxing. Donc voilà, j'ai pas trop encore utilisé vu que c'est sur la PS4 et sur la PS4 il y a le bouton cher. Donc c'est pas le truc le plus utile pour l'instant que j'ai acheté. Ensuite nous pouvons voir un petit disque dur qui est vraiment très pratique pour filmer avec le premier Avermedia. C'est là où je serai tous mes gameplays. Donc là voici le premier Avermedia, le Game Capture HD1, donc aussi poussiéreux. Il se passe la poussière un jour quand même. Donc j'utilise pour filmer sur les PS3, sur les PS3 voilà. Au moins je peux avoir du gameplay. Donc on va passer derrière la télé avant de passer dessous. Pour voir toutes les anciennes choses qui aident à cette télé, donc c'est vraiment le bordel. Des prises, on peut voir une PS1, donc c'est la PS1 Slim pour ceux qui savent pas, même pas branché. Ensuite nous pouvons voir une manette, bon une manette de merde, un recharge pile, voilà. La Freebox Revolution, bon qui sert à rien parce que c'est de la grosse double la prise. Et une Wii qui était craquée, donc qui date je sais pas de combien de temps, hyper longtemps je pense, mais qui marche plus, parce que Asphyte a une mise à jour. Voilà. Donc là vous pouvez voir qu'il y a déjà pas mal de consoles. Donc là on va passer aux meilleures consoles. Donc là vous pouvez voir la bête. Donc vous pouvez voir la PS3 jailbreak, comme vous pouvez voir. Une PS3 Slim 40Go, modèle jailbreakable, voilà, ok. Ensuite on peut voir en bas une bonne petite vieille PS2 encore en état de marche. Donc c'est la première version, donc c'est les gros tas de PS2 là, vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'il y en a des, elles sont comme ça, c'est carrément les PS2, elles sont toutes petites. Donc voilà une PS2 qui marche et qui est en plus hackée, pour ceux qui ne sauraient pas comment faire, mais en gros derrière on peut mettre un disque dur et en gros on peut lancer des jeux hackés, voilà, tout simplement. Donc voici la PS4, donc la PS4 originale, donc la 500Go, mais bon je pense qu'elle va bientôt mourir vu comme elle chauffe et que c'est la merde, voilà. Et donc là on voit une deuxième PS3, donc là c'était ma première PS3 que j'ai eu en 2009, donc la PS3 Slim 250Go. On pouvait la jailbreak, mais de toute façon elle est morte comme je vous ai dit précédemment, car il y a quelqu'un qui m'a volé le CD et que maintenant on peut plus récupérer. RIP, pauvre PS3, RIP. Voilà. Et voici la dernière PS3 que j'ai fait l'acquisition, comme vous avez pu voir dans équipe, dans l'Epic Game Boxing. Voilà ma petite PS3 officielle 40Go, donc elle est quand même assez mignonne à jouer. Je pense qu'on n'avait pas vu beaucoup des PS3 comme ça et elle chauffe bestiole, les gars, c'est une belle. Elle chauffe comme une grosse. Voilà. Ensuite nous allons passer sur le meuble, donc on va passer sur le meuble comme il y avait cette PS3. Je vais reculer un peu pour que vous voyez un peu ça donne quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et on va passer à ce merveilleux bijou de technologie. Donc c'est une Nintendo Entertainment System, ou plus communément appelée la NES. Donc c'est la première console de Nintendo, donc c'est pas vraiment la véritable première console, mais c'est la plus célèbre première console de Nintendo. Donc et on s'en va les 8 bits, voilà, on passe. Donc là voilà les manettes, en plus on peut y jouer, hein. Regarde, on ouvre comme ça. Voilà, donc il y a petite démonstration. Et on lui fait, oh, putain, bouffer un jeu. Voilà. Même si c'est, elle marche pas très bien celle-là, elle va mal à rentrer. Et hop. C'est parti. Yeah. Bon, allez, on s'en bat les couilles. Après, nous avons des cadets de monsters. Bon, ça, c'est vrai qu'on s'en bat un peu les couilles. Même si c'est vrai que c'est un peu stylé avec les couleurs, c'est ouais, c'est beau, on va dire. Donc là, on peut voir derrière tous les jeux que j'utilise, on va dire, sur ma PS4 PS3, donc les Call of. Bon, les Call of et Ratchet, un truc comme ça. Donc là, on peut voir deux jeux Super NES également, avec Super NES.
Là, on peut voir deux PSP, dont une qui est HS, que Cocom du 7-1 m'avait donné. Un Mario All-Star sur Super NES, même si je n'ai pas la console. Et là, plein de petits jeux PS2, avec des petits jeux qui sont quand même bien, comme tous les Ratchet que vous pouvez voir derrière là-bas. Ratchet 1, Ratchet 2, etc. C'est la base, les gars. C'est la base, voilà. Voilà, après, on peut voir des jeux PS1. Bon, je vais pas tout sortir, mais on peut voir des jeux PS1. Comme des Tomb Raider, et là on peut voir derrière un jeu Megaman sur Game Boy Advance en boîte. Donc on a quelques jeux en loose aussi, mais on va vous montrer après. Voilà, des jeux, voilà le bordel. Ensuite en bas on peut voir des chairs de poule, parce qu'avant j'étais vraiment fan des chairs de poule. Voilà, on en a plein. Après bon là c'est des magazines qui servent à rien, des trucs nuls. Là quelques jeux de société. Voilà, des mangas même si j'en lis plus. Une petite boisson à essayer entre potes. Les gars, vous allez dégueuler vos traces, c'est du truc italien, mais je peux dire que c'est pas très bon à boire comme ça. Ouais. Après, nous avons tous les jeux, PS3, PS4, nous n'avons pas hyper beaucoup de jeux parce qu'on les a vendus, mais on en a quand même pas mal. On peut voir toutes les collections des FIFA alors que je déteste les FIFA, mon gars. Bitmap. La collection des Call of Duty. Par contre, les collections des Call of, donc là on peut voir deux codes 3, code 4, code 5, NBLE2, bah encore NBLE2 en français. J'ai en version anglaise. Black Ops, Modern Warfare 3, Black Ops 2, Ghost et le Advanced Warfare. Tous les Call of. Ensuite sur PS3, bah, j'ai les Ratchet, Ratchet et Clank, machin, etc. GTA 5. Sur PS4, bah, vous pouvez voir ces jeux. Donc je n'ai pas hyper beaucoup, mais ça va. Ouais. J'ai un petit jeu PS Vita, donc Ratchet et Clank Trilogy. Voilà. Voilà, comme sur PS3. Donc voilà pour tous les jeux que j'ai. Là, voilà. En haut, nous allons voir encore des jeux de société. Voilà, un extraordinaire, un peu le bordel en fait. Il y a une petite GameCube, j'ai pas de manette ni jeu avec, donc ça sert à rien. Dédicace à Cocom. Et là, des canettes Coca. Ensuite, nous allons passer à l'endroit de gaming, n'importe quoi. À l'endroit où il y a l'ordi. Donc voilà, là, c'est un petit endroit, un canapé en fait, où il y a un ordi. Voilà, vous pouvez voir ma petite chaîne en live. Voilà, donc rien d'extraordinaire, c'est juste un vieux ordi dégueulasse. On pouvait voir qu'il est vraiment mais mort cet ordi. Il y a même plus des touches, voilà, c'est un vieux ordi Asus Pentium Pentium Insane. Voilà, c'est même pas un gros ordi, voilà. Voilà, sympa. Ensuite, on va voir les petites manettes. Donc, les petites manettes de collection que tout le monde kiffe. La manette PS3 dorée, voilà. La manette classique PS3 qui est un peu défoncée. Une manette PS4 qui traîne par là. Voilà. Et une quatrième, une autre manette PS3 encore. Hop, PS4, voilà. Après, une télécommande pour un Evermedia. Une télécommande pour la Freebox. Ainsi donc que ça, la télécommande pour Philips. Voilà, rien d'extraordinaire. Voilà. Donc là, un autre canapé. Donc là, pour voir les gars, en fait, qu'il y a deux canapés collés. Donc c'est regardez, on se met comme ça. Donc imagine. Hein. Bam, bam, bam. Tu vois, il rache comme ça. Et l'autre, donc il se pose comme ça. Comme un gros sac. Et tu regardes les vidéos et t'es bien. Et ouais. On est bien, on est posé. C'est ça qu'on est collé, posé dans ce truc. Là, les gars, vous pouvez voir mon petit portable, un Samsung Galaxy S3. Donc là, vous pouvez voir qu'il est pété, je l'ai pété il y a pas du tout longtemps. Voilà mon portable, quoi. Au revoir. Et un Wiko de merde. Et en ce Galaxy Ace, les gars, attends, on va quand même pas oublier ce bijou de technologie quand même, attends, j'avoue. Donc là, maintenant, on va passer à mon bureau. C'est vrai qu'on peut même dire. C'est pas très bien, Flo, Tony, quand même, hein. Tu peux pas travailler sur ton bureau. Eh ben c'est vrai, allez, on s'en bat les couilles du bureau, voilà. On a le canapé devant, voilà, donc on a le bureau, donc avec le monstre, la Jabra Soleimate. Allez, on peut voir les enceintes à l'intérieur. Que j'ai acheté avec l'argent des abonnés. Lol. Lol. Donc là, on peut encore des canettes de trucs du coca un peu collector, on va dire, pour que vous pouvez les voir, voilà. Donc là, on peut voir un casque Bluetooth pour la PS4. Turtle Beach, voilà, je vous montrerai après la boîte. Donc là on peut voir le bordel. Là on peut voir une PS Vita que j'ai fait l'acquisition également avec l'argent de mes abonnés. Voilà, voilà. Donc on va regarder le petit derrière qui est tactile hein, si vous le savez pas. Voilà. Donc là on peut voir une coque que j'avais fait. Donc voilà les gars, ça a coupé. Donc je vais vous montrer ma merveilleuse coque que j'avais créée pour mon portable. Voilà. Donc ensuite on peut voir un petit casque Beats Solo HD. Donc là on peut voir, voilà, comme je vous ai dit, des canettes un peu collector, voilà, marin, Paul Gauthier, on s'en bat un peu les tech. Mon bureau, le reste de mon bureau. Voilà, les petites bouteilles, Anthony, voilà, on s'en fout. Vous voyez, c'est un peu le bordel. Ouais, c'est un peu le bordel. Ah ouais, c'est. Il n'y a plus beaucoup de luminosité, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc là, on peut voir, les gars, une boîte du Game Capture RT2, donc que j'avais fait le boxing.
la boîte de la PS3 Jailbreak, ensuite la boîte de la PS3 officielle de Groport. Donc là on peut voir vraiment un bordel, un monstre, mais d'habitude c'est caché quand la porte est ouverte, donc c'est pour ça qu'on ne voit pas. Donc c'est pour ça qu'il y a un gros bordel. Donc là on peut voir le premier avant-média, la boîte du premier avant-média, de la DualShock 4, de mon casque que j'ai eu à Noël. Donc voilà, c'est un gros bordel que j'ai pas rangé depuis qu'on est en vacances. Donc là, la boîte de la PS4 est là. Vous êtes prêts les gars à voir la tour des jeux de société de merde? Allez, bim. C'est tout le truc acheté, c'est à foutre le feu. Les sacs Adidas, ça fout le feu, tout le bordel les gars. La boîte PSP, voilà, la merde. Maintenant on va passer au bureau de Florent. Premier tiroir. Plein de petites choses, donc on va enlever ça. Plein de petites choses, donc des jeux GBA et même des jeux de vieilles consoles, vraiment vraiment rares quand même je pense. Voilà, plein de jeux GBA, bon c'est vrai que c'est un peu le bordel dans ce bureau. Et là on peut voir les gars dessous, une espèce de jeu de société, je pense qu'on prend même plus enlever du un jeu de vidéo qu'on prend même plus enlever du bureau. Et ça a l'air une bande d'arcade un peu, tu vois, ça a l'air stylé. Là on peut voir les gars une DS Lite. Voilà, c'est stylé, DS Lite. Voilà, un extraordinaire après, hein. c'est la base. Le petit ventilo qui est le seul ami quand on est en été. Voilà. Également des canettes de coca, de tailles différentes qui viennent de différents pays en fin de bord. Un Wico pété, voilà, le spot fou. Donc là comme je vous ai montré l'autre fois, la fameuse poubelle coca. Poubelle coca et l'entre l'autre truc, petit alter de vin. Donc là les gars vous pouvez voir le dehors de chez moi. Oh my god quoi. C'est magnifique les gars, c'est magnifique. Donc ouais c'est magnifique, il y a une petite piscine mais là on la voit pas. Donc là c'est un gros buisson de merde. Hop, là la carte du GTA 5, et on tourne la télé. Donc là les gars on a fait un petit on a espacé ça parce que en fait il y a quelque chose à montrer dans mon bureau qui est assez à voir quand même. Il y a beaucoup de trucs, mais en vrai c'est vrai que c'est assez le bordel, mais c'est pas grave. Donc on va enlever ça également. Et là il y a beaucoup de choses, donc dommage que c'est bordel parce qu'on a mis cette prise. Il y a beaucoup de choses à vous montrer les gars. Une Game Boy première du nom, donc voilà les gars, en noir et blanc, qui marche encore. Une autre Game Boy première génération bon, qui marche pas. Donc dédicace à Cactus 03. Un vieux jeu que ma mère m'a donné. Une Game Boy Color cette fois-ci. Qui est jaune. Une autre Game Boy Color vert. Donc ça c'est ma première console que j'ai pu avoir. Ensuite encore également un petit jeu. Donc là c'est pareil, un autre jeu, le singe et le jongleur, qui est je pense des choses assez. Les gars, vous pouvez voir une installation de gros ports. Donc en fait les gars j'ai mis une prise multiple. Pour quand je suis sur le canapé, et ben je peux avoir les trucs à ma façon quoi. Voilà. Donc après on peut voir plein de petits jeux Game Boy, donc je vais pas tous les montrer. Il y a Pokémon, Wario Land, Super Mario Deluxe. On peut également voir une chose que vraiment je suis content d'avoir, c'est vraiment quand même assez rare pour une collection. De jeux vidéo qu'on collectionne, même si je suis pas un gros collectionneur on va dire. C'est un Game & Watch. C'est les premières choses que Nintendo fabriquait. Et maintenant, c'est quand même vraiment être assez rare les bordels comme ça. Il y en a même des qui se vendent plus de 500 balles, les gars. Ça, je peux vous l'assurer. Après, bon, on a plein de petites choses. On a aussi une mini Game Boy. Donc là, par exemple, vous pouvez voir une S-Card. Donc, c'est une chose pour hacker la DS, en gros. Bon, une DS Lite également, comme aussi. Donc là, on peut voir un M3. Donc, c'était aussi une chose pour hacker la DS. Des petits cartouches, je pense que vous connaissez tous ça. Et les R4. Voilà, j'avais tous les trucs comme ça. Donc là on peut également voir des jeux comme ça, comme le bureau de mon frère. Voilà. Et voilà, donc ça je trouve que ce bureau, enfin ce tiroir je trouve il est quand même assez bien. Il y a quand même pas mal de choses qui sont intéressantes je trouve. Voilà. Après en bas il n'y a rien d'extraordinaire, il y a une bouteille de coca et du bordel. Voilà, du bordel de partout. Voilà, donc alors on va monter là-dessus. Et là en bas les gars vous pouvez voir... vous pouvez voir le sol qui est du bon parquet. Donc voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour de ce petit setup. Donc on se retrouve tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Et voilà les gars, cette vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un com ou encore partager sur les réseaux sociaux, que Facebook ou Twitter. Donc les gars, moi je vous dis à plus tout le monde, c'est Flotoni, c'est un. Allez plus tout le monde, c'est Flotoni. Oh yeah. Yo, allez bye, peace.